Et c'est dans ce décor moyenâgeux au château Robert le Diable à Moulineaux dans le 76 que nous nous sommes posés pour vous présenter le fleuron de l'équipe FDJ, j'ai nommé le Lapierre Aircode, prêté une nouvelle fois par la sympathique équipe du magasin Vélotechnique à Grand-Quevilly. C'est un cadre totalement retravaillé que nous sort Lapierre, après une première version qui a permis à Thibaut Pinot de finir 3ème du Tour de France 2014. Lapierre a encore perfectionné son cadre pour le rendre encore plus léger. Nous avons eu en notre possession sa version SL 700 qui se distingue grâce à son croupe Ultegra DI2 et sa teinte biton noir mat et bleu ciel. J'étais vraiment sceptique sur la marque Lapierre avant cet essai m'a fait totalement changer d'avis. Sans même parler d'équipement, du point de vue visuel, ce vélo est un super produit. Aucune faute de goût et d'un niveau de détail vraiment impressionnant. Rien n'est laissé au hasard, à l'image de sa guidoline biton adaptée au vélo, ou encore au système de serrage de selle intégré, rien ne dépasse, le frein avant semi-intégré, ou encore le support pour le DI2 sous le guidon. Bref, c'est un vélo très bien fini et ça se voit. Équipé par l'équipementier américain Zip, on retrouve alors un ensemble de périphériques de qualité. On retrouve un ensemble cintre potence de la marque, le poste de pilotage est très compact et précis, le vélo est très maniable. Pour l'assise, on retrouve la tige de selle Zip SL en carbone et la selle physique Arion R5 bleu et noir qui va très bien avec le vélo. Si vous ne la connaissez pas, cette selle est vraiment très bonne, plate, elle permet une bonne liberté de mouvement dessus. Par contre, oubliez le petit rembourrage, la priorité ici est à la performance. Pour le contact au sol, on retrouve une paire de Zip 30 associée à un freinage efficace Ultegra. Alors que le frein avant de semi-intégré se voit parfaitement logé dans la fourche, le frein arrière, lui, se retrouve de façon plus classique en haut des triangles, contrairement à sa version 2015 qui avait placé le frein en dessous du boîtier de pédalier. L'Aircode est un vélo clairement axé compétition et aéro. Ses petits trous en 30 mm de haut sont un bon début, mais le vélo aurait encore été meilleur avec des roues plus hautes. La transmission est assurée par le groupe DI2 Ultegra 11 vitesses parfaitement intégré au cadre. Déjà testé sur le BMC SLR, ce groupe n'a pas fini de me séduire. C'est un vrai plaisir de changer les vitesses grâce à lui. Le pédalier est un 52-36 et la cassette une 11-28. On pourrait presque mettre sur ce vélo une cassette 11-25 pour un meilleur étalement des vitesses sans être pénalisé dans les montées. Grâce à cette transmission, le vélo est très facile sur le plat et dans les bosses en Normandie. Dans l'ensemble, cette version de l'Aircode bénéficie d'un excellent niveau d'équipement et je trouve qu'il n'y a rien à changer à l'achat du vélo pour en profiter pleinement. Et heureusement à ce niveau de prix. Le cadre est clairement orienté aéro et performance. Il bénéficie de plusieurs technologies permettant la transmission totale de la puissance au pédalage. En usage compétition, un cadre se veut rigide à souhait et c'est le cas de ce Lapierre. Nous avons trouvé ce vélo très réactif et c'est un vrai plaisir de rouler avec. Parfait sur le plat et dans les bosses, le vélo est très léger, 7,5 kg en taille M. Sur le cadre, tout est étudié pour rendre le vélo le plus efficace et aérodynamique possible. Les tubes diagonales et de selle ont un profil bien particulier lui permettant de mieux se comporter en cas de vent latéral par rapport à un card au bord classique. La fourche profilée intègre les freins avant et clairement designée pour l'aérodynamisme et tous les fils passent en interne pour limiter les frottements au vent. Ça, c'était pour la partie aéro. Pour l'efficacité, Lapierre utilise sa technologie Powerbox commune au Xelius avec une douille de direction, un tube diagonal et un boîtier de pédalier surdimensionné pour une rigidité latérale maximale. Lapierre nous a surpris tant dans le visuel que dans le comportement, clairement destiné aux compétiteurs et pour des parcours de plat et de vallon, un peu trop typé aéro pour pouvoir être efficace en montagne. C'est une vraie machine prête pour la course. Et nous n'avons pas réussi à notre niveau à le mettre en défaut. Il est bien difficile de trouver un point négatif à ce vélo, bien que proposé au prix de 4 599 €. Sa note, 4,5 étoiles. Presque un sans faute, le côté exclusif de la machine lui aura fait perdre sa 2000 étoiles, rendant le vélo un peu moins accessible à tous. Si vous êtes intéressé par ce vélo, direction Vélotechnique à Grand-Quevilly. Il dispose de toute la gamme Lapierre, avec un accueil personnalisé à vos envies et à vos questions, et d'excellents conseils, les liens sont dans la description. La vidéo se termine ainsi. Si vous avez loupé nos premiers tests, n'hésitez pas à cliquer sur les vélos pour aller directement sur leur vidéo. Sinon, cliquez sur le Lapierre pour ne plus jamais louper aucune de nos nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao
Bye bye.